Amen. Amen. Si vous n'avez pas compris, allez dans Proverbe 18, verset 22. Je ne le lirai pas. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on aille dans Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Ça dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque Dieu ayant connu, je lis de 18, Romains 1, de 18 à 23. Puisque Dieu ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je vais aussi lire Romains 10, versets 13 à 15.